Voilà, je suis désolé, veuillez m'excuser pour la gêne occasionnée, je suis complètement dégoûté, j'ai le seum, je sais, j'ai été mauvais, je suis en train de revoir les images de mon match depuis toute la nuit et voilà, je suis vraiment confus, je suis dégoûté, j'ai été super nul, j'ai été mauvais, j'ai été mauvais, j'ai été mauvais, je le redis. Et voilà, je suis conscient de ce qui s'est passé, c'était vraiment ridicule ce que j'ai fait. J'ai mis un but en étant hors jeu, j'étais fier de moi, heureux. Après, on s'est fait gifler 4-0, c'était n'importe quoi, j'ai rien suggéré. J'ai voulu des responsabilités dans ma carrière, j'ai voulu tout ça. Mais la vérité, c'est que je n'assume pas tout ça, c'est bien trop pesant pour moi. Je suis une jeune noisette, voilà, je n'ai pas les épaules pour supporter autant de poids. Je suis désolé, j'ai déçu beaucoup de gens, beaucoup de monde, beaucoup de gens qui voulaient nous voir gagner, qui rêvaient de la victoire du Real, qui rêvaient de. Un match parfait de moi, mais j'étais nul. Je suis désolé, j'ai été nul. Je ne sais pas ce quoi dire. J'ai parlé avec mon père de ce match parce qu'on parle avec mon père de tout ce qui est foot et on parle avec ma mère de tout ce qui est argent et contrat. Donc j'ai parlé à mon papa. Je lui dis, papounet, comment ça se fait que j'ai été nul? Pourquoi? Avant, j'étais un bon joueur. Tu m'as entraîné, tu m'as rendu fort. Pourquoi là, je suis nul? Il m'a dit, je sais pas, t'es plus celui que je connais, t'es l'argent t'a changé. Et je pense qu'il y a du vrai dans ce qu'il dit. En tout cas, je ne sais pas quoi vous dire, je ne sais pas comment changer le passé, je pense qu'on peut pas. J'ai qu'une envie, c'est de repartir en Suède, vivre mes soirées, mes folles soirées suédoises. Voilà, j'ai besoin de décompresser tout ce stress, toute cette pression, toute cette souffrance. Je m'en veux énormément, je suis dégoûté. Aujourd'hui, c'est vraiment l'hécatombe à Madrid. Tout le monde est dégoûté, on s'est fait humilier par un enfant et un vieux crouton. Voilà, je sens que les gens me pointent du doigt, les journalistes, tout le monde. Voilà, je ne ressens vraiment pas trop d'amour, je ne sens pas de gens qui m'aiment, je suis vraiment dans la difficulté. C'est compliqué, je pense que je pourrais changer l'opinion publique, mais en tout cas, pour l'instant, je traverse une passe très très compliquée dans ma carrière et voilà, veuillez m'excuser pour tout.